km, c'est la plage. Voilà. Allora, ragazzi, siamo qui per visitare un museo. Che è un museo di Cagliari. Beh, ragazzi, siamo in un museo che è proprio una figata. Guarda che belle carrozze. J'ai une bonne idée hein, de prendre le taxi. Bello, hein? Guarda che cazzo di carrozza, guarda qua che soffitto, ragazzi. Allora, questa qua è la guatura da parte... Da para. 1777, per il mariage della princessa Maria Francesca, sol della reina Maria, avec son neveu le prince José. Panneau décoré de pointures de Pedro Alessandrino del Cavallino. Uomo. Figata, questo? Mamma mia. Les chevaux. Vediamo quest'altra qua. I cavalli. Bella pure questo. Bello, ragazzi? Che figata. Andiamo a vedere altre cose. Bello, guarda che scultura. Grazie, ci troviamo nella sala adiacente. Ci sono vari tipi di carrozze per portare le travi, per portare l'acqua. Vedete, questo è a livello di pompieri, questo qua è per portare le casse da morto. Wow. Voilà. Quindi continua. Questo è sempre scalante incendio. Ah, comunque noi non abbiamo pagato niente. Siamo furbi. Che credete? Tutte carrozze però trainate a cavallo. Allora ragazzi, quindi abbiamo visto il Museo Nazionale dello Scoscès. Ma la Scoscès è très petit parce que le grand c'est une autre fois. Perché poi oggi è domenica, ragazzi, allora stanno. Hanno giù. C'est bâtiment là, à gauche. À gauche, c'est là. Il faut laisser un peu pour une autre fois. Oui. Mais l'autre, c'est Muséum de. C'est le même. C'est le même de. Toujours de carrosse. Oui. C'est là, c'est cette bâtiment-là. Carrosse plus moderne. Non. Non, non. Non, non, non. Ah, toujours. 17e, 18e siècle. C'est magnifique. La ceinture. Là, andiamo dove sta anche la tour de Belém. Ici à droite, vous pouvez voir la façade du palais. Ouais, du 16e siècle, ben là. À droite. Regardez, regardez. Bon, c'est moi, on va voir ça, Maïla. C'est vraiment... Voilà, Paolo. Rio, c'est ça. Atlantica. Tu as les hôtels là et la mer en fond. La même, exactement la même. Ah ben, une chose belle, une chose belle. C'est à gauche, le monument. Une chose différente. C'est d'ici que sont partis des bateaux pour les découvertes ultramarines. Eh oui. Vasco de Gama. Et en face, on avait tout le monastère de Saint-Jérôme. C'est le monument qui avait le style portugais, le style qu'on appelle de Manuelino. Cette part, c'est la part de l'église. Derrière, ils ont le cloître. Après là, sont les musées de la marine. Tout est parti de la mer, oui. L'empire. Et un musée archéologique. Là. C'est quand même bien au Portugal. La photographie, la voglio fare. Voilà, c'est la façade. Ah, je peux faire une photographie. C'est la partie sud, la partie principale. C'est...
Voilà, allora ragazzi, questo sta spiegando, ma io non lo sento, non è che non capisco. E quindi qua è un altro sito, guardate la quanta gente, quindi un palazzo reale. Non lo faccio spiegare meglio, credo che non ci capisco. Andate là, va? Ah, mi piace, mi scusare la mia. Mo incominciamo a capire un po', eh? Non vedo che bella fotografia. Nicola Portuguese, ecco qua la nostra macchinina, ragazzi. Una bellissima limousine Mercedes. A droite, on ira, se trouve cet bâtiment la rose. On achète, mais il y a beaucoup de monde, non? Ah, c'est toujours. Ouais, toujours. Vous trouvez toujours cette de matin à hôtel, non? Comunque qua c'è stato cosa. On est pas de dans ce palazzo. Avec le café. Nel monastero, non mi ricordo mo. Non fa ripetere una volta. E sta tutto cosa. C'è un museo, un gioielli, tutto cosa. Tu vois, Paolo, ce qu'on prend à l'hôtel, les petites choses que j'aime là. L'hôtel che? Quello che prendiamo all'albergo. Les petits gâteaux, tu sais, ronds. Che dai con il caffè. Ah. Vieni di là, di questa. Ah, ouais. Pasticceria. Perciò ci sono una fila tangerata. Guarda là, guardate che fila. Oh, là. La domenica. Non è... guardate l'anteria. No. C'è veramente impossibile. Il museo oceanografico. Pensa. Archeologico, là. Archeologico, là. C'est vraiment beau. C'est le planétarium. C'est là aussi. Oui, vous dites que nous sommes en Belém. C'est ici, c'est un centre culturel de Belém. Ici, nous avons aussi le musée Berardo avec beaucoup d'art, de peintres et d'autres choses. Le planétarium, Carlos Rubinck. Il y en a des choses à voir, hein, mais pas un dimanche. Ah, lo scenarium è quello? Oui. Ah. No, c'è il museo del navigateur maritime. Voilà. Lo scenario, c'è avec beaucoup de diverse poissons. Oui. Ici, on va passer sur la part présidentielle de Belém, qui s'appelle Restelo. Ici habitent aussi beaucoup d'ambassadeurs. Il y a des ambassades. Ah, c'est magnifique, vraiment. Je suis très surpris. Le Museo de Marina. Ici, les maisons sont en 2 millions. 1 million, 800 000, 1 million, 1 million et demi. Des villas. Mais des appartements parfois par là, 650 ici, mais les villas, moi je cherche une villa, voilà, maison avec mais quoi, une appartement ricca, però, hein. Oui, mais Qashqai c'est plus cher, alors Qashqai, oui, normalement c'est plus cher. Ça, c'est plus cher. Guarda che vegetazione, c'è. Moi, j'aime beaucoup ici. Un appartement ici, combien le prix? Non, les villas, on parlait des villas. 3 millions, 4 millions. Non, 1 million et demi. La villa. C'est moins cher que Qashqai. Moi, je pensais que c'était beaucoup moins cher. Mais bon. La Qashqai, c'est plus cher. Oui. C'est la machine à jouer de l'Italie, on va se mettre à Vendonspa. À GoPro. Mais ici, c'est difficile de trouver une villa à vendre. Ah oui. Tout le monde garde. Pourquoi? Parce que c'est très. Il n'y en a pas beaucoup ou c'est très recherché? Il n'y en a pas beaucoup. Voilà la tour de Belém. Hein. La tour, ah, c'est là, hein? C'est ici, c'est aussi un hôtel. Palacio do Governador.
Governador. Sì, 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 sì. Palazzo do Governador. E lì alla piscina, il governador. Voilà le monde pour entrer dans le tour. Oui. No, no. È possibile arrivare là, no? La prochaine, on arrive là-bas. Après, si vous voulez, tu peux aller. Voir, c'est tout. Moi, je voudrais faire une photo là. Voilà, voir de loin, voir, voir. Pas entrer. La tour de Bethlehem. On va passer par là. On passe de là.